Salut tout le monde, comment allez-vous? Salut Ezoris, merci pour le follow. Salut Liamet, comment vas-tu? Mon petit test de stream. J'espère que tout va bien aller ce coup-ci, que le micro, vous m'entendez bien. Alors, je dois partir avec 6 tonnes 147. Ouais, j'ai mis un bouton pour ma souris pour activer le micro, mais quand je suis sur internet, ça me remet la page d'avant, c'est pas terrible. Donc j'ai dit 6 tonnes 147. Ok, c'est cool si tout va bien. Alors, ground service, external power est disponible. J'ai pas mis pour l'air. Les chocks sont en place. Les portes doivent être ouvertes. Oui, elles sont ouvertes aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pris, hein. Va falloir que je reprenne la checklist de A à Z. Allez, on va commencer par la batterie 1 et 2. On branche l'external power. Les pompes à carburant sont bien sûr off. On va tester l'APU Fire. APU Master sur On. Le flap 7 open pour l'APU, on va faire APU Star. Ça me fait penser que j'ai oublié de lancer la Qskay. Bon, je fais mon petit plan de voltige avec Qskay. Et on va monter au 270. Salut Marc, comment vas-tu?
Impublie, on va mettre ça sur on. L'air conditionné, tout est sur off. Xbleed sur auto. Générateur 1 et 2 sur fault, c'est bon. Ah, tu vas les streamer, Marc. Tu vas les streamer quoi? On va garder l'external power pour l'instant, même si on est sur sur l'APU. Oh non, je vais la couper. On va aligner les centrales inertielles. La une. On passe sur la deux. Et on passe sur la trois. Ouais, je te montre vite fait la scène de pause. Bon, j'ai un peu beaucoup copié sur la tienne. Et celle de fin. J'ai changé celle de début aussi. Allez, on va passer au plan de vol. Alors, le cost index. Trente-neuf m'a donné sim brief. Pour un niveau de croisière à 270. Alors, le zéro fuel weight. Cinquante sept point deux. Alors, de mémoire, je crois que j'en ai fini avec ça, si je dis pas de bêtises. Ça, il faut d'abord que je rentre mon plan de vol. Alors, on part de Béthune. Non, j'ai pas essayé Spring 12 encore, il est pas sorti, Marc. Et puis, j'ai pas de clé bêta, malheureusement.
On va prendre la Bethune 6 Whisky. Alors après Bétuve, on va sur Otofé. Là, on va prendre la UN491. Jusqu'à l'aigle. Ensuite, on prend la UT176. On prend jusqu'à... Je pense que c'est Évreux, EVX. Ensuite, on va prendre la UN873. Jusqu'à Somille. Ensuite, on va prendre la UZ274. Jusqu'à Perron. Ensuite, on prend la UN874. Jusqu'à CMB. Et non, j'avais oublié quelque chose. Non, Marc, je crois qu'on peut pas le prendre encore, hein. Ok, Liamette. Ouais, j'avais oublié ça. Donc, on aura... ...141 en V1. ...141 en vitesse de rotation, et en V2, on aura 143. Une transition à altitude de 5000 pieds. Flaps, on va mettre... Alors, c'est un... Hop, non, c'est... Ah, c'est le CG, j'avais un truc à mettre là. On aura une flex température de 65 degrés. Ah ouais, il me semblait bien. Donc, est-ce que j'ai bien tout fait?
On va régler. Je vais régler le QNH tout de suite. Il est de 10-20. Les IRS sont alignés dans une minute, enfin même maintenant. Je bois mon petit café en même temps. Ça y est, les IRS sont alignés. Allez, pré-flight procédure, les strobes, on va mettre ça sur auto. Navlight, on est le 25, on va mettre ça sur le 2. Non, sur le 1, pardon. Seatbelt. Sur on. No smoking sur auto. Bah, moi je vais l'acheter parce que je l'attends avec impatience. Emergency light armé. Landing elevation sur auto. Je vais mettre le pack slow sur normal. Il n'y a que 130 passagers à bord. Fuel pumps. On va déjà préparer le pushback. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Là on a l'air bon, j'ai pas très l'habitude de ce checklist de A319, d'habitude j'utilise celle de la 320 mais... Donc on a fait le plan de vol, radio... Ah, on n'a pas allumé les radios. On est sur 122,8, ça c'est bon. Transpondeur, on va passer sur 1000. On va le laisser en auto et en stand-by pour l'instant. Allez, on va demander le repoussage. En attendant. Donc on a bien notre cap en manager, notre vitesse en manager, l'altitude en manager. Alors maintenant sur Vatim, c'est les trois quarts c'est 1000 et avant c'était 2200. Voilà, on a tout fermé. On enlève les chocs. On va vérifier l'extérieur. C'est bon, tout est fermé. Le poste du sol, le tracteur arrive. Tracteur fantôme, il passe à travers les murs.
Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Je verrouille la porte du cockpit. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Parking brakes off. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Allez, toutes les pompes carburant sur on. Démarrage moteur numéro 2. J'ai coupé le son en vue extérieure, j'aurais pas dû. Ouais, c'est parce que quand je suis en vue extérieure, après quand je vole, le bruit est atroce. Voilà, le moteur 1 a démarré. Le moteur 2, pardon. Démarrage du moteur numéro 1. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Parking brakes on. Déconnectons le tracteur. Stand by. Allez, ignition de tir normale. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Allez, appui sur off. Appui master sur off. Flaps, position take-off. Speed break armé. Auto break au max. Pas encore le monsieur. Il s'est barré. Il s'est barré, cet indien.
Allez, flight control. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Allez, si on va faire le before takeoff checklist. Alors, nose light. Sur taxi. Landing light. Il est mis sur on tout de suite, mais on va pas le mettre. Runway turn light. Sur on. Petit casse en TRA. Le weather radar sur on. La prédiction sur auto, le terrain. On va le mettre sur on. Config no blue. Et en fait non, j'ai fait une connerie, j'ai fait la before takeoff. Bon, c'est pas grave. Allez, on va rouler. Auto break sur off. Parking break, pardon. Allez, on est parti. Allez, on va faire un break test. Ok, break test, ok. Cinq spectateurs par un petit streamer comme moi, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être là. Waouh, 6 maintenant, c'est cool.
Allez, par qui break sur on, on va reprendre la before take-off checklist. Le nose light, on va le mettre sur la position take-off. Les landing lights sur on. Le TICAS en position TRA, on va le mettre sur ON. Le Weather Radar, on l'a mis au parking. Prédiction Wind Shear, on l'a mis en auto. Le terrain, on va pas le mettre sur le ND. Takeoff Config, on l'a fait tout à l'heure, TO Config No Blue. Le HDG, eh bien en sélecté. La speed en sélecté, l'altitude en managé, pardon. Et bien, Before Takeoff Checklist Complete. Bon, je me suis pas mis sur la team pour ce test, ce vol test. Brest Traffic, Skywing 1302, Backtrack, Runway 25 Left. Le QNH 10-20, 10-20, 10-20 aussi, c'est bon. Salut Koeva, Koeva, comment vas-tu? Bienvenue sur mon stream. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, merci à toi. En fait, c'est le quatrième vol que je fais avec le Tolis. Et je regarde si tout va bien. Si j'ai pas trop perdu la main. Tu parles du Phoenix qui est sur MFS 2020? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Allez, on maintient les freins. Ah ouais, moi je suis sous X-Plane, j'ai délaissé MFS 2020, il me plaît pas du tout ce simulateur, tant qu'il n'y aura pas de vrais avions. Après j'ai pas testé les tout derniers, dont celui de Phoenix et le PMDG, mais les prédécesseurs ça donne pas envie en fait. Mais peut-être qu'ils sont bien maintenant, je ne jugerai pas maintenant. Allez, on met le chrono. On va mettre le pied sur les freins, 40%, et après on va se mettre en flex pour le décollage. Ah bah je me doute hein, que les derniers avions arrivés sous 2020 sont bien, mais moi je l'ai désinstallé parce que ça me plaisait plus du tout. Allez, je décolle et je vous reprends dans la foulée.
Voilà, on a décollé le train rentré, volé rentré. On a un kit d'autopilote. Alors, landing gear rentré, flaps up, ground spoiler disarme, nose light. Parfait. Ah bah si c'est du study level, pardon, si ça doit être vraiment bien, mais là tu vois, j'ai vraiment pas envie de réinstaller MFS 2020. J'attends Explain 12 avec impatience. Après, ouais, j'espère que vous aurez de bons avions. Ça, c'est. On va dire le PMDG a l'air vraiment pas mal. Après, il faut que je regarde des vidéos là sur la 320 de Phoenix. Moi, j'aime beaucoup les Airbus. Je suis pas trop Boeing. Ouais, je me doute, Marc, t'avais acheté le dernier 737 qui était sorti pour P3D. On est passé en QNH standard, on poursuit la montée. Ah ouais, t'as le Trolist 321. Bah tu vois, j'hésitais entre le 319 et le 321 et j'ai pris le 319. J'ai beaucoup volé avec sous FS 2020 avec la 32NX, le Fly-by-Wire, que je trouvais déjà pas mal pour un bon début de développement. Et là, c'est vraiment plus la flemme de réinstaller 2020 et de le prendre le 320 de chez Phoenix. Et donc, si tu compares les deux avec ton Tolis. Et le 320 de Phoenix, il y a vraiment une grosse différence. Puisque Toulis est quand même réputé pour être assez bon. Allez, on va passer 10 000 pieds. Bah, le Fly-by-Wire en version développement, ça allait à peu près quoi. La version stable était non, était pas très très correcte. C'est même ce qui semblait, je m'étais planté, t'es errant. Allez, on va vous libérer. Est-ce que tu stream de temps en temps, quoi, Yvan? D'accord. Ça a l'air plat à côté de Phoenix. Après les sons, moi je sais que j'ai pas acheté le pack de sons. Ils vendent deux packs de sons pour le Tolis. Après c'est vrai que les graphismes, mais bon, tu vois, moi j'ai pas une grosse config. Et le Toulis est vraiment bien optimisé pour ça, quoi. Tu stream pas, d'accord. Allez, on passe sur 80 nautiques de range.
Je vois que le Tolis est bien optimisé pour ma petite config. Ça passe plutôt bien. Après, j'ai peur sur vous 20-20 de. Bon, tu vas dire, j'arrive à voler avec la 32NX quoi. D'accord. Ah bah je vais regarder des vidéos dessus du coup. Ouais, faut que je remette les sondes en vue extérieure. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça, moi, qui me fait peur. C'est ma config. Ma config et les gros add-ons, parce qu'apparemment le 737 de PMDG aussi il est assez gourmand de ce que j'ai pu en entendre sur les lives ou sur les vidéos sur YouTube. Après ils viennent de sortir, hein, ça va optimiser tout ça. Hein. Ah mais entièrement, je suis entièrement d'accord. Je reste sur l'autolisse pour l'instant. Hein. Disons que c'est pareil, je fais beaucoup de vols en hélicoptère. Et le modèle de vol sous X-Plane comparé à FS, ça n'a rien à voir. Mais je suis bien content que des vrais add-ons arrivent sur MFS 2020 quoi. Allez, on vient de passer le niveau 210. Tout le monde a des à-coups depuis la dernière version. Ah ça je pourrais pas te dire Marc, moi je l'ai désinstallé. Même si tu vois quand j'ai vu le. Le C310 de 1000 vis, j'ai voulu réinstaller 2020 pour le prendre, pour le tester, mais après les retours que j'en ai vus, je suis un peu déçu. Tu vas pas me dire, tu reformates ton ordi là, Marc.
vient de passer le niveau 255, encore 1500 pieds, et on sera à notre niveau de croisière. Ah ben zut alors. Et comment tu vas faire pour streamer Red Dead du coup? Allez, on vient d'atteindre le niveau de croisière, le niveau 270. J'aurais pu monter un peu plus haut, en fait, c'est Simbrief. Je pense que j'ai un peu beaucoup de... Comment ça se fait que tu changes la carte mère et ton CPU juste pour repasser en Intel? Bon, bah c'est parti pour de la croisière. J'ai prévu un peu long, je pense. J'aurais dû faire un vol plus court. Du moins en stream quoi, plus court. Alors si je dis pas de bêtises, prévu à 3h05. Oh, ça fait ouais, 40 minutes. Bon, ça devrait le faire. Ouais, c'est pas long, 40 minutes, ça devrait le faire. C'est chiant pour vous, quoi. Bon, on n'est pas des gros streamers non plus, hein. On est des petits streamers du dimanche. Mais bon, ça fait plaisir de partager. Falloir que je trouve une belle... Une belle livrée parce que j'avais pris celle-là parce qu'il y avait marqué Sky. Ou trouver quelqu'un qui sait les faire. Moi c'est parce que je suis en week-end déjà là. Sinon je stream que le soir de temps en temps. Avant je streamais beaucoup mais maintenant ça fait 3 ans que je stream quasiment plus parce que je passe déjà entre 8 et 9 heures sur l'ordi toute la journée au boulot donc le soir restreamer c'est compliqué. Ah, un petit bot. Tu dois pouvoir le gérer, Marc. Merci. Je pense que je referai demain après-demain aussi, dans l'après-midi.
Là, c'est vraiment en plus pour remettre, parce que j'ai refait des nouveaux écrans de stream. Bon, on n'est pas des. On a personne qui travaille pour nous, on fait tout à la mano, donc c'est un peu. Un peu bancal, mais bon, ça le fait. Alors moi je vole beaucoup en hélicoptère. Sinon je vole avec donc le DA-62 d'Aérobasque, le DA-50 d'Aérobasque. J'ai le Cessna 172 NG d'Airfoil Labs et le King Air 350 d'Airfoil Labs. Après en hélicoptère, j'ai de la Gazelle, j'ai du Bell 412, j'ai du Chinook, Bell 407. Après j'aime bien un autre simulateur, c'est Eurotruck. Bon, c'est du camion, c'est pas de l'avion. Et hier soir, j'ai streamé un peu de Red Dead Redemption 2 juste pour le fun. Mais en liner, moi ouais, j'ai volé un peu sur le Zibo quand j'étais sous X-Plane avant de passer sous 2020. Et là, en revenant sous X-Plane 11, j'ai acheté la 319 de Tolis. Bon, ça doit être le cinquième vol que je fais avec. Je me suis aperçu que j'ai oublié de lancer ici ma carte. Merde, c'est un vol dans le vide. Et si je tentais la RNP, tiens. Eh oui, voler son Simacar, c'est la loose. Ah, mais je sais pas comment tu fais pour installer et désinstaller, Marc. Moi j'ai eu réinstallé P3D pour pouvoir installer FlySim Commander. Pour juste avoir la base de données et après je l'avais supprimé, mais là j'ai vraiment tout viré.
Je sais pas quelle caméra utiliser en vue extérieure là, pour le chapeau chinois que j'ai sur mon manche pour que ça tourne autour de l'avion. Parce que là, je le fais à la souris, c'est pas terrible. Bon après il y a encore beaucoup de monde hein, qui vole sur P3D. Hein. Si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de simulateurs, on va dire, professionnels qui utilisent la version pro de P3D, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait un problème de compatibilité entre les avions, entre la V4 et la V5. Mais bon, on pourra avoir largué, quoi, c'est 60 € sur la V1, la V2, la V3, la V4, j'ai pas pris la V5, quoi. Bah, faut pas dire que c'est un jouet, c'est je pense que c'est pas pour le même public. Après si tu vois PMDG, le 737 de PMDG, la 320 de Phoenix est arrivé, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Parce que j'ai regardé ce matin une vidéo du 737, mais bon le pilote qui l'utilisait faisait un peu n'importe quoi, donc faut vraiment regarder ceux qui ont l'habitude. Et après je sais pas si il est aussi sur Xbox, je sais pas s'ils ont foutu le 737 et la 320 sur Xbox, s'ils peuvent l'acheter. Mais bon, celui qui veut faire du VFR sans se prendre la tête, il n'y a pas à dire, hein. C'est MFS 2020 et loin devant tout le monde quoi. Ah ouais, donc tu viens vraiment d'arriver sur MFS. Ah, le PMDG est disponible sur Xbox du coup. Bon, on est à peu près 80 nautiques du bord de l'Aigle. Ah d'accord, ils sont pas compatibles sur Xbox, ouais, je me doutais un peu. Là j'aurais mis quelques questions parce que si tu peux jouer, enfin jouer, excusez-moi du terme, mais piloter le 737 ou la 320 de Phoenix avec une manette. Après je suis sûr qu'il y en a qui y arrivent, hein, et qui se débrouillent certainement même mieux que moi au joystick. C'est un peu comme moi, je rêve de me mettre à la compétition sur Assetto Corsa Competizione, mais j'ai pas de volant et j'en achèterai pas parce que la position pour mon dos n'est pas terrible. Donc je roule à la manette, mais ça n'a rien à voir avec un volant quoi.
Quand j'active le micro, vous n'entendez pas trop les perruches derrière? Bon, je vais me faire couler un petit chocolat chaud. Et je reviens dans deux petites minutes. Ah, t'entends les perruches quand même? Bon, j'ai bien fait de mettre le push tout au cœur. Et ouais, j'ai eu 4 bébés là, perruches. Et ça fait un bordel monstre du coup. Allez, je reviens dans deux petites minutes. Me revoilà. Tu vas être envahi? Mais non, parce que là je vais les donner. J'attends qu'ils soient bien sevrés et. Parce que là ils viennent de sortir de la niche. Ils commencent à manger tout seuls et je vais les donner. J'ai une cage pour accueillir deux, pas six perruches. Il faut pas être. Maltraitant envers les animaux, ils auront pas assez de place pour 6. Donc d'ici une semaine, je pense que je mettrai une annonce pour les donner. Bon, on va arriver sur le bord de l'aigle. En tout cas, merci d'être là pour partager mon stream. Ah, j'hésitais à faire des nuggets, mais non, non. Pas dire de bêtises. J'ai pas arrêté d'embêter ma chérie avec ça. J'ai dit, oh, bah tiens, on va manger des nuggets bientôt. Et elle y est attachée au bébé, comme si c'était les siens, quoi. À tel point qu'elle râlait sur la mère quand elle a s'approché de la cage, parce que la mère retournait direct dans la niche.
Oh, il y a un petit peu à graille dessus, Nimet. Mais bon, il n'y a pas beaucoup, quoi. Ouais, pour l'apéro tout juste, ouais. Ouais, pour, ça me ferait bien chier quand même. Pauvre petite bébête. Ah, faut que j'entre. Alors, que je regarde ce que j'ai pris. Ah, c'est une RNP que j'ai pris. Eh bah, ben, Koeva, je te remercie de ton passage. Ça fait fort plaisir de voir de nouvelles personnes. Et encore merci. Et j'irai voir le Phoenix sur MFS 2020. Merci beaucoup. Bon, on va regarder si le plan de vol est bon. Eh ben, ça m'a l'air tout bon. Alors, le QNH à l'arrivée. Tiens, faudrait, Marc, faudrait que je revoie si, si ça remarche, point méta à l'FQQ. QNH 10-16 à l'arrivée. La température de 18 degrés. Les vents sont du 230 pour 18 nœuds. Il faut que je regarde la carte. Et non, c'était en DH, merde. Donc ça nous fera une vitesse d'approche finale de 137 nœuds en full flaps. On n'est pas loin du top of descente en 40 nautiques. Est-ce qu'on le laisse en full manager? Ça veut dire que je descends jusqu'à 2000.
Ouais, on va le laisser en full manager. En le surveillant, je vais regarder parce que j'attends le colis. Oh, je suis un peu déçu de ne pas avoir mis MFS. Sima 15. Donc on est à peu près à 20 nautiques du top of descente. Alors, descente procédure, landing elevation sur auto. Ouais, c'est là, je pense qu'il est sur auto. MCDU arrival c'est complete, MCDU perf c'est complete, flight plan, top of descent wind c'est complete. Pas de soucis, Marc. Faut que je refasse ça. Je sais qu'on avait fait avec toi quand je streamais là, de temps en temps. Il y avait t'sais, le bot qui mettait le metteur de destination. Mais ça, il faut que j'aille dans CloudBots si je me rappelle bien. Ouais, j'ai rien que touché du tout, Marc. Allez, on va préparer 2000. Tu vas pas t'y mettre, Yamet. Après, c'est dommage, j'ai fait des belles tuiles orthophoto, mais là, il est nuage. Tu vois, le jour où je te vois dans Red Dead, Yamet. Oh, il n'y a pas de souci, Marc. Je suis tout oui. On peut aller après mon vol, si tu veux. Si tu as le temps. À moins que tu aies formaté ton PC entre-temps. Ah, tu reformates demain. Allez, c'est parti, on entame la procédure de descente. Donc on a la première restriction qu'on a, c'est au-dessus du niveau 300, au-dessus du 3000 pieds QNH sur Asbar. C'est des trucs que je fais mal, Marc, sans doute. Après, je t'avouerai que appuyer pour parler, ça me fait chier un peu. Hein.
Je vais enlever le push to talk et vous allez me dire si vous entendez beaucoup les perruches ou pas. Là, elles ont l'air calmes un peu. Voilà. Ouais, le push, ça commençait à me gonfler un peu là. Je regarde en même temps parce que j'ai le fils de ma chérie qui doit recevoir un colis. Non, il y a pas... Ah si, une petite course, j'arrive. Me revoilà, ça y est, colis réceptionné. C'est pour tes écrans. Ah, après j'ai fait ça vite fait ce matin, hein. Donc c'est sûr que c'est, j'ai fait ça rapido, c'est moins joli que le tien. Alors, on vient de passer le niveau 180 en descente, on est sur la bonne pente. Je vais envoyer un texto. J'ai pas réussi à remettre Navigraph, c'est bizarre. Bon après il n'y en a pas besoin tant plus que ça, mais après Streamlabs j'aurais bien mis j'aurais bien mis si je pouvais le chat de l'autre côté. Mon siège qui fait du bruit aussi. Il n'y a pas trop de bruit en arrière-plan. J'ai baissé un peu la sensibilité du micro déjà. C'est le niveau 140, toujours en descente. On va bien vers 3000 pieds. Ok, bah c'est parfait alors. Si vous entendez pas de... C'est pareil à mon siège, je pense qu'il va falloir que je change. Il commence à grincer.
je prenne une chaise standard, on va dire. Bon, Guillemette, quand est-ce qu'on se refait une petite session camion? Ah, c'est bizarre, moi je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait parler. Ah putain, si on avait pas de nuages, on aurait une belle vue là. Dès que tu as un peu de temps à toi. Moi j'avoue, je suis en week-end. Ça c'est bon. J'ai de quoi prendre un mois et demi de vacances avec mes heures sup. Le patron les paiera pas, faut que je les récupère. Ça me fait un mois et demi de vacances. Ah oui, c'est un viaduc. Exactement. Bah, jeudi c'est férié, vendredi on fait le pont. Il me restait 2 jours à prendre avant la fin du mois. Donc j'ai pris mon mercredi. Allez, on passe aux 10 000 pieds. Landing light 10 000 pieds. On active le FCULS radio nav. Okay. Flaps 1 à 239. On va arriver sur Camoré dans 10 nautiques. Après, il y a un jeu que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir, c'est Gloomhaven, mais si vous regardez, il y a vraiment peu de monde qui stream ça, quoi. Fais gaffe à quoi, Marc? Dis-moi tout. Max à 222 sur Asbar. Combien il m'a mis lui? Asbar 222, c'est parfait. Ah, les bêtises de Cambrai, c'est super bon. Bon, les dents ils aiment pas trop, mais c'est super bon. Figure-toi que j'ai fait mes 3 jours là-bas, moi, à Cambrai. Il y avait encore le service militaire. Je crois que j'étais même l'un des derniers à faire. Ah non, quoique. Quoique. Non, il y a eu après quand même. Il y a eu après quand même, je dis des bêtises. Ah, c'est moche qu'on voit pas le sol. Qu'est-ce qu'elle donne la météo? 240 pour 16 nœuds, broken à 4600 pieds, broken 5800 pieds, broken 8600 pieds. Ah, c'est passé à 17 degrés. Le QNH 16, ça n'a pas changé. Et des rafales à 27 nœuds. D'accord. Bon, tu vois, moi je les ai fait, ça m'a tellement plu que j'ai fait 17 ans et demi après. Bon, je suis un peu stressé là pour l'arrivée, pour du Airnav. Je crois que je l'ai pas fait en full
faut le manager. On va tester. Du moins jusque sur le vecteur final, bien sûr. Donc on aura full flaps 140 nœuds, non clean 200, full flaps à 140, une vitesse d'approche totale de 137 nœuds en full flaps. Ok, QNH 10-16, on est à 6000 pieds, on va mettre le QNH tout de suite. Allez, 10-16. Et voilà, 10-16. Une journée. Eh ben comme moi, Marc. Ah, on commence à voir le sol, ça c'est cool. Je suis pas venu à Lille depuis que j'ai fait mes orthophotos. Donc là c'est bien. On va basculer sur la carte d'approche. Final, pardon. Max 222 sur Oslid. Ah, j'allais dire super, on va voir le sol. Ah bah voilà. Ah, moi je les ai pris, Marc, les cartes, et c'est sûr, c'est plus cher que l'abonnement Navigraph, mais voilà, t'as l'utilité, ça marche dans MFS 2020, ça marche dans X-Plane, ça marche dans tout. Non, moi j'avoue, et puis à côté, t'as le logiciel Navigraph, comment ça s'appelle Navigraph Chart. C'est le doublon de ça, sauf que tu peux mettre ton plan de vol, tu peux tout mettre à côté. Allez, Flaps 1. Alors, approche, speed manager, ok, speed break 239, flaps 1, ok, autopilot boss on, lock, ok, ok, flaps 2 à 2000, flaps 2 à 2000 pieds, ok. Ils ont aussi acheté SimGriff. Ouais, bah oui, parce que maintenant, quand tu te connectes sur SimGriff, tu te connectes avec ton ton identifiant Navigraph. Et les deux, hein, les deux là, c'est pour moi, c'est quand tu fais du liner, même avec le Cessna 172, je l'utilise. Hein, au moins pour avoir le carburant et tout ça, moi j'aime bien. Même si je fais du VFR, je prépare mon plan de vol avec. Ouais, je suis assez content du rendu là, on a fait un petit vue extérieur. Ah, tu vois, pour moi en orthophoto, c'est un... Bon, c'est sûr, les bâtiments, c'est pas du MFS, mais. Comme disent pas qu'X-Plane, c'est moche, quoi. Bon, par contre, c'est pas natif, quoi. C'est la différence. Allez, on va passer en 10 nautiques de range. Alors, max 2, tac. Ensuite, max 220 nœuds. Non, max 170. From Upmit, non. From, ok. On va le laisser. Continuer. On est à 2900 pieds. Ah bah si, il faut dire MFS. Si, je reconnais. MFS est beaucoup plus joli. Si. Moi ça m'a pris, ça a dû me prendre 4 week-ends en complet pour faire les tuiles orthophoto. Et encore, je les ai fait en zoom 16, 17 près des aéroports, 18 sur les aéroports. Mais si tu les fais, et ça me prend 256 gigas pour toute la France. Et si tu les fais en zoom 19, ah les nuages sont les par contre, oui, c'est Active Sky malheureusement. J'ai peur au niveau de la vitesse. Je vous cache pas. Ah oui, c'est vrai, je peux appuyer dessus moi.
220 nœuds, 2000 pieds plus, ok. Allez, le dernier virage. Après, on sera sur le vecteur final. Oui, allez, compte spoiler. Armé. Autobreak. Medium. Et c'est ça, c'est les mises à jour météo, moi, qui me... Allez, flaps tout. Landing gear. Allez, les trois vertes allumées, c'est parfait. Alors, landing procédure. Allez. Flaps full. Allez, si on déconnecte l'autopilote. Ah, j'ai oublié de vous dire de vous rattacher. Et la cabine. Voilà. Allez. Est-ce que tu te... Ça me rappelle des tours de piste en 737, Marc. C'est sur Brest en plus, je crois, ou sur Landy. Tu as une option, pas de mage autour des aéroports. Ouais, je crois qu'il y a ça dans... C'est pas... C'est à 2500 pieds sol, je crois. Faut pas que j'oublie, il faut que je freine pour enlever l'autobreak, sinon la dernière fois j'ai failli cramer cramer les trains. En fait j'avais activé les reverses et j'avais pas freiné manuellement, j'avais laissé le avec l'autobreak et après j'ai continué à rouler, sauf que l'autobreak était enclenché et je suis monté à 700 degrés au niveau des freins. Il a pas aimé. Bon, je vois deux rouges, deux blanches allumées, on a l'air pas trop mal, on est aligné. Je pense qu'on est un peu haut. Ouais, on est un peu haut maintenant, on va descendre un peu plus. Mille pieds, on continue. J'ai oublié de remettre un cadre remise des gaz, mais je suis bête, j'ai ça programmé sur mon joystick. On est un peu haut. Corriger doucement. Donc toujours un peu haut. Allez, on est revenu 500 pieds, on continue. 400 pieds. 340, 280, c'est la minimum des haches. 280. C'est bon, on est passé. Ah, vous entendez les perruches comme par hasard à l'arrivée, quoi. Nom de Dieu. Reverse.
manual brakes. On coupe les reverse. Mais les perruches se réveillent, hein, tu vois. Si je pouvais mettre un appuyé pour parler sur mon joystick, ça m'irait bien, mais là j'ai mis sur la souris. Poser, pas casser, exactement. Allez, on va s'arrêter là. On va mettre le frein de parking. Compte spoiler, disarme. Trotter, break, landing light. Alors on va mettre. Ah oh bah tiens, j'avais oublié de mettre ça, tu vois, hop. Pas bien. Oh, les bacon non plus, j'avais oublié, tu vois. Comment ça se fait que j'ai pas des bacon sur cette checklist là? Non, j'ai pas sur cette checklist, faut que je reprenne l'ancienne. Allez, API master. C'est bon, on va rouler. Allez, on va le démarrer. Alors, j'ai pas pris le... J'ai pas pris. Alors, airport. Celle-là on en a plus besoin, celle-là non plus. C'est ça, tac, parking extend, voilà. Excuse-moi, j'avais pas vu les mettre. Eh ben, merci de ton passage et au plaisir de te revoir sur ton live ou entre nous sur Discord. Je pense que j'aurais dû me foutre là-bas en fait. Je vais continuer, je vais me mettre là-bas. Bon, je suis bien content. Bon petit vol qui s'est bien passé. On va se faire une petite vue extérieure sur le parking, sur le roulage, pardon. Oui, impec, je suis bien content. En plus, deux nouvelles personnes qui sont venues, c'est cool. Ça fait du bien de partager. Par contre, il faut que je trouve la bonne caméra en vue extérieure. Là. Bon, je suis un peu déçu d'avoir oublié. D'avoir oublié de mettre Sima 15.
Je pense que demain je referai le. Demain je ferai le retour. Parce que si je mettrai si ma 15. Ou j'irai autre part. Brest, de Lille, où est-ce que je peux aller? J'aimerais bien profiter de mes tuiles orthophoto. J'ai hâte de voir ce que va donner X-Plane 12. Apparemment, nos tuiles orthophoto déjà seront compatibles. Donc, j'aurais pas fait ça pour rien, tu vois. Ah, j'aime vraiment pas ce. Cette caméra là. Allez. Ah, les perruches, nom de Dieu. Bon, j'ai pas de petit add-on là pour faire bouger les passerelles. J'achèterai pas pour le moment. Tant que c'est pas compatible X-Plane 12. Ah oui, c'est peut-être qu'il y en a déjà. Faudrait que je regarde. Ça ferait un petit plus. Parking break. Parking procédure. Parking break on. Anti-ice off. APU bleed on. C'est sur on. Engine master 1 and 2 off. C'est off. Runway turn light off. Ils sont déjà sur. Non, c'est là. Oui, runway turn light, ils sont déjà sur off. Wings light sur off. Ils sont déjà sur off. Nose light sur off. Ok. Beacon sur off, j'ai oublié de les allumer. Seat belt sur off. Fuel pumps all off. Transpondeur sur standby. C'est du ok. Break fan. Alors, combien on est au niveau? Oh ouais, je suis encore. Je dois trop freiner en fait. Je sais pas. 500 degrés, pourtant. On va couper les centrales inertielles. Ok. Je vais mettre l'external power. On va mettre le chocks. Et oh. Ah, les chocks, il veut pas les mettre, peut-être parce que j'ai. Moi, je sais pas. Ah. On va ouvrir. Tac. APU bleed off. APU master off. Emergency light off. Nose making off. Batterie 1 et 2. En fait, external power, j'ai dû faire un truc qui est pas bon. J'ai dû faire un truc qui est pas bon. Là, je peux pas les mettre les chocks. Je pense que les.
parce que les roues sont trop... Bon, est-ce que ça va s'allumer ça? Non, faudrait que je mette la PU. Pourquoi je peux pas mettre l'external power? Là je peux. Ouais, moi je veux voir si c'est la température des freins, je pense. Ah non, il se coupe. Pourquoi il se coupe? Il y a un truc de pas bon sur. Oh, mais il m'a foutu. Pourquoi je recule? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je recule? Parking brake on. Ça, c'est la meilleure. C'est en pente et me ferait reculer comme ça? Putain. Alors là, c'est la meilleure. Et je peux pas demander ce qui me ramène. Je peux pas demander ce qui me ramène là, lui. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive. Ah oui, alors ça c'est la meilleure. Je pensais avoir mis le frein de parc moi. Oh quel beauf! Bah, du coup, alors là il faut que je les allume. On va faire ça. La PU va démarrer dès que le. Oh, mais non, j'aurais pas là. Non, je pense que j'ai pas d'électricité à bord. Ouais, il faut espérer qu'il nous. Ok. Toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Ça, c'est la meilleure. Bon, je lance Discord après, Marc. Tracteur connecté et broche bypass insérée, relâchez les freins de parking. Démarrons le tracteur, vous pouvez lancer les moteurs. J'avais un bouton sur mon joystick, j'ai dû appuyer sans faire exprès dessus pour enlever le frein de parc. C'est la meilleure. Avec la pente, il est descendu quoi. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Standby. Avec les portes ouvertes. Ça, c'est bon. Oh là 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 là. Ah mais je suis impressionné hein. Je vais faire un test hein. Je vais relâcher le.
Hop. Alors. Je vais relâcher le frein. Ah ouais, hein, il recule. Ah bah tu vois. Tu vois, c'est pour des petits trucs comme ça que je veux pas aller sous 20-20. Le tracteur est déconnecté. La branche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Allez, on passe à l'écran de fin. Tiens, c'est bizarre, le chat il se met pas là. Comment ça se fait? Pote de chat. Est-ce que j'aurais dû le mettre là? Ou là? Comment ça se fait? Est-ce que tu peux taper quelque chose, Marc, s'il te plaît? Début. Je vais tester les. Non, j'ai pas ça. Je voulais tester les widgets. Suivi. Merde, ça marche pas pour moi. Allô? Bah non, ça marche pas, tiens, la boîte de chat. Bah zut alors. Pourtant, elle est censée marcher là. Elle marche sur les autres. Je vais regarder sur l'écran de pause. Sur l'écran de pause, elle marche. Elle fonctionne, pardon. Et pourquoi sur le fin, elle ne fonctionne pas? Boîte de chat. Bon, bah écoutez. En tout cas, je vous remercie tous d'être passés. Ça fut fort sympathique. Je vous dis à demain. Merci à tous. À tout de suite, Marc.